Salut tout le monde, je suis Mikarob Gaming et bienvenue dans Death Gone. Voilà, ça c'est fait. Ah bah d'accord, j'ai mal fait mon coup. Ça. Ah, ça qui est une mission ici. On va faire ça et après on ira là-bas. Donc là, si ça se fait pas. Attends. Donc là, on a ça ici. Oui, c'est vrai qu'il y a une horde ici. À voir comment je pourrais m'en sortir là-bas. Coucou Epsilon. Coucou coucou. Ça va bien et toi? Ah. Est-ce que je peux? Oui, c'est bon. Là. Bon, voilà, tac. Je suis arrivé. Alors, attendez. Pour ceux qui sont là, merci au deuxième qui vient de... Enfin, non, pas au deuxième, ça c'est Obsidian. Donc, je vais faire... Voilà. Donc, il va nous rejoindre. On va attendre. C'est quoi comme mission? Parce que ça concerne Sarah, vu qu'on a la tête de Sarah. Merci. On a la tête de Sarah pour la mission principale, donc ça va la concerner forcément. Attention. On va se garer devant. Ça oui. Me rappelle des souvenirs. Bah, c'est pas rassurant si t'aimes le feu. Je t'ai envoyé une invite, hein, Epsilon. Attends une seconde, t'en veux un vivant? Eh, c'est pas évident de faire des tests sur un cadavre. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Un tranquillisant spécial. Pour l'endormir suffisamment longtemps et le ramener ici. Je suis à deux doigts d'y arriver. C'est peut-être la bonne. Oui, chef. Putain, qu'est-ce qu'elle fait encore l'autre? Deacon, tu me reçois? Et... Hey, je partais justement te chercher un tétard. Super. Il m'en faut un bien précis. Salut, ça va? D'accord. Salut. Oh, une seconde, attends. Un tétard bien précis. Ça va? Au sud d'ici, pas loin de Rim Drive. Ça va bien, et toi? Ouais, nickel, nickel, ça va. Donc, comme vous l'entendez, Epsilon vient nous rejoindre. Ok. Salut les gars du live. Ok, appelle-moi quand tu seras sur place. Oui, ils sont pas là encore. Je suis en train de dormir pour l'instant. Une colonie de tétards. C'est comme le rôdeur. Ça vaut le détour. Ah, le gros cœur, il dorme la journée. Bon, allez, go. Saint John au rapport. Capitaine, je suis en mission pour le lieutenant Whittaker. Je vais être pris pour un moment. Oh, j'ai découvert un plan hier. Venez me voir quand vous aurez fini. Nous sommes prêts à tester l'arme de Weaver. Terminé. Et je me suis plus renseigné sur le jeu comme ça, je connais encore plus de trucs maintenant. Weaver aura terminé son projet, mon cher. Donc, faudrait juste que tu parles un tout petit peu plus fort, que tu mettes un son plus fort, parce que je t'entends moins vu que j'ai le jeu. Ok, ok, attends, je vais. Ça te gêne pas, bien sûr. Là, c'est bon, tu m'entends mieux? Oui, là, c'est mieux. Ok, bon, j'ai mis à fond le son, c'est mieux comme ça.
Alors, si ça coupe, sois pas surpris, parce que comme il fait chaud, pourtant je l'ai mis dans un endroit à la play, comment dire, qui chauffe pas trop. Mais le Ouais. truc, c'est que ça peut, au cas où, s'éteindre d'un coup. Pour l'instant, Ah, ok. elle m'a pas refait le coup. L'année dernière, elle s'est Ouais. coupée au moins 5 fois par jour. Ah, oui, ok. Donc, et pourtant, elle était dans un endroit. Ça. C'est pour ça que je vais aller dans un magasin. Alors, on est lundi, peut-être demain ou après-demain, m'acheter un ventilo qui soit près de la play. Ça souffrira un peu de l'air frais. Bah, un truc d'ordinateur. Ouais, un truc comme Tu ça, faudra que ça. poses l'ordinateur dessus et ça refroidit. Faut que je regarde Ah, je sais pas. combien ça coûte, surtout. Ouais. Tu dis non, tu travailles où, toi? Je travaille pas en ce moment. Ah, ok. Ah, j'ai encore ce bug. J'ai plus le pourcentage de. Ouais, Ah, attends! de la moto. Ouais, pourcentage de la moto d'essence et de réparation. Je sais Alors, tu pas. t'es renseigné pour le mode survie hier? Ah merde, j'ai oublié ça. J'étais occupé. C'était un abonné qui te demandait ou je sais pas quoi. Je crois. Non, mais je regarderai plus tard. Sarah, j'y suis. Ok. Cherche une jeune fille portant un t-shirt rouge. Le style de haut pour ado où il y a écrit jeune et jolie, un truc du genre. Je suis surpris que le colonel ait pas brûlé l'endroit. J'ai dit à Matt de pas toucher à ce site. Ça fait des mois que je teste le sang des plus jeunes. J'ai besoin d'eux pour le sérum. Ok. Mais comment je suis censé dénicher celle que tu veux sans tuer ses potes? Je sais pas. Écoute, fais ce qu'il faudra, d'accord? Il me faut la fille au t-shirt rouge. Ah, déjà, faut que je la trouve. Fille au t-shirt rouge. C'est quoi un attraqueur? Un quoi? Distraction, attraqueur. Ah, tracker, c'est Attracteur. Ah, elle est là, elle. Oh, bordel de merde, je devais C'est la garder quoi? en vie. Ah mince. Je devais garder en vie un tétard, sauf que je l'ai buté. C'est dur quand même de défoncer les tétards. C'est quand même des enfants. Oh, est-ce qu'ils sont petits? Hein. Ouais, c'est quand même des enfants, quoi. Ouais. Alors, t'es où? T'es ici, toi. Ah! Tiens, saleté! Oh putain! Bon, coup, bim. Et bim. Non! Qu'est-ce que tu me fais, toi? Voilà, merci. Allez! Ah, faut que je les bute tous! Ah putain! T'es où? Y'en a là, toi. Bon bah j'ai maté la rébellion tétard. Je sais pas ce qu'il leur a appris à faire des chargements si longs, franchement. T'en voulais un vivant? Madame est servie.
Et on va se faire attaquer au retour, forcément. Oh, putain, bordel de merde! Oh. Hey, capitaine, il a pissé sur ma bécane. Ah, j'ai bien peur que le colonel ait interdit les animaux de compagnie sur l'île. Et je vais aller récupérer aussi un truc du Nero que j'avais vu là, encore, que j'avais pas pu récupérer. Vous avez l'air de bien vous entendre. Le lieutenant Whittaker. Mais approchez pas encore, je vais voir. Je fais que mon boulot, chef. Que ça reste professionnel. Le colonel désapprouve toute fraternisation entre les conscrits et les officiers. Oh, non, non. C'est pas vraiment mon genre, chef. Bien. Allons-y. Oui, chef. Allez, aide-moi! Super ton franchise! Ouais, leur physiologie est complètement à l'ouest. Mais qu'est-ce que tu veux? Je trouve pas le bon dosage. Attends, tiens, prends ça. Mais... C'est long! Attends, encore quelques secondes! Tiens-le! C'est passé. Et après, bah, après avoir fait tout ça, j'allais faire les missions. Normal, là, j'ai suivi l'hélicoptère du Nero encore. Je suis une deuxième fois encore. C'est peut-être là que je vais voir O'Brien, je sais pas. Je vais voir. Tout à l'heure, j'ai regardé un stream de filles. Je sais pas ce que t'as mis là-dedans, mais ça agit vachement vite. Oh non, c'est pas exactement ce qu'elle voulait. Attends, tu fabriques pas une arme biologique, tu ? Bah oui, elle essaie de trouver un antidote contre le truc. Oh bon contre sang. Le virus. Tu cherches un remède ? J'ai cru qu'en récupérant la souche originelle de Cloverdale, je pourrais créer des anticorps à partir du virus, par rétro-ingénierie. Oh merde. Et là, tout ce travail, tout ce que j'ai accompli est bon pour la poubelle. Jamais leur rendre leur état normal. Avec leur peau, si tu leur rends leur état normal, pas sûr qu'ils peuvent vivre normalement. Alors debout. Salut, ma belle. Et réessaye. Oh, go, bad boy. Ça va, tranquille, toi? Comment tranquille? T'as pas vu ce qui s'est passé ou quoi? Bonjour. Dans le corps de cette gosse a explosé. Un plus pour passer l'éponge. Quoi? Comment t'es venu? Parce que je suis en amitié. Parce que je l'en ai mis, t'as... Pas une seule fois, je me suis dit... Ah ouais, tiens, j'étais la gosse de quelqu'un. Ah, il a purgé. J'ai rencontré une fille, toi. Non, t'inquiète, mais tu suis pas foutre de merde, tu parles de la même façon que toi. Bah, vaut mieux, parce que moi, c'est... Déjà, j'ai eu un foutre de merde hier soir, qui arrêtait pas d'insulter Opsilon, donc... Je l'ai bloqué et banni. Non, t'inquiète, bah, tout le monde, Kylian, on se connaît nous en Floride, c'est au calme. Tu me verras plus, Ben, hein. Je suis en vacances. Ah, mais moi je suis en vacances depuis 3 semaines, mec. Hein. Ah, ouais, bah la même. Je suis en vacances là. Mon collège, il a appelé mes parents comme quand je devais aller au collège. Ouais, la même. Par contre, je suis désolé, hein, mais pas trop de parler parce que vu que moi je suis en live et qu'en plus j'enregistre pour YouTube, si vous parlez en même temps que les cinématiques, ça va être chiant pour ceux qui vont regarder, quoi. Des cadavres partout. Donc entre, je veux bien, je vous dirai, mais pendant, c'est un peu chiant. Désolé. Hein. C'est la nuit où t'es perdu. Non, mais je connais, t'inquiète. Et Boozer, il a fait de son mieux pour m'aider à garder la tête hors de l'eau pendant 2 ans. Moi, j'en avais plus rien à foutre. Tout ce merdier. Et puis, j'ai aperçu l'hélico du Nero dans le ciel. Ça m'a comme ranimé, je me suis dit, ouais, en fait, putain, je plaque tout. Car si elle est vivante, je la retrouve, et quand ce sera fait, on partira ensemble sans se retourner. Parce que je veux pas faire partie d'une milice, je veux pas faire la guerre ou même vivre dans un camp. Alors pourquoi tu es resté là? Pourquoi? Pour toi. Pour tout ça, parce que je t'ai vu trimer. Je t'ai vu travailler sans relâche. La plupart des gens essayent juste de survivre, mais toi... Merde, tu cherches à sauver le monde. Ouais, bah... C'est pas suffisant, on dirait. Alors debout.
vêtements et recommence. On va retourner à Cloverdale. Ils sont mieux équipés, on va fouiner plus loin dans leur projet. Tu m'aiderais. Je ferais ça. Oui, bien sûr. Je t'aiderai parce que tu crois à cette chance. T'as trouvé une horde ? Ouais. Putain ! Wesh ! Oh, il m'a pas vu ce con. On ira au nord. Ouais, cap au nord, on leur dira qu'on part se ravitailler. Putain, non, on désertera. Days Gone, je sais pas si tu vois ce que c'est. Tu sais que s'ils nous coincent, c'est la corde tirée. C'est le jeu de zombies là. Bah, regarde sur internet, tu verras. C'est ça. Oh, Dieu, qui coûte 70 euros là. Et t'as une moto et tout. 46. Quoi ? Ouais, c'est ça. Mais je l'ai payé 46. J'arrive. Oui, bien, ça va. Prends tes affaires, je reviens. Ouais. Sauf que ça peut se passer comme ça. Oui, ils veulent partir ensemble, ce qui fait qu'ils deviendraient des traîtres aux yeux du colonel. Mais bon, je pense forcément que ça va pas se passer comme ça. Suivez-moi, je vous prie. Putain. Vous êtes prêts ? Colonel, oui, chef. Putain, ce mec a tué. Je suis pas sûr de vous suivre. Le lieutenant Weaver a terminé son arme. Oui. Il est temps de la tester. Et comment ? Prêt à faire flamber une horde ? Quoi ? Un problème, caporal ? Non, chef. Oh. Non. Cool. Ça va faire mal. Ouais, c'est moins qu'on puisse dire. Ah ouais, si je vois qui c'est, qu'est-ce que c'est ? Messieurs, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère. En fait, les gratuits, ils sont stylés. En avant. Quoi ? Les graphies, ils sont stylés. Sur quoi ? Sur Horizon. Parce que là, je suis sur le live de ton pote, ils sont stylés. C'est pas Horizon, c'est Days Gone. Je sais pas, c'est marqué voyage vers de nouveaux horizons. Oui, ouais, j'ai mis ça parce que... C'est comme le nom, déjà, du jeu, quand t'es en live, s'affiche à côté de marqué catégorie. Moi, je mettais le nom du jeu plus une phrase. Donc, j'avais oublié ça. Donc, je mets plus le nom du jeu et je mettais ça. Je mets nouveaux horizons parce qu'en fait, je suis dans un nouveau pan de carte en fait. Ouais. C'est toujours, en fait, c'est l'Oregon. J'avais mis voyage vers l'Oregon. Enfin, je suis plus un truc du genre, donc j'ai changé un peu vers de nouveaux horizons. Ouais. Mais c'est pas Horizon. T'as combien d'abos, mec ? Sur Twitch ? Ouais. Sur Twitch, bah, ça fait pas très longtemps que je suis dessus. J'en ai 32. Ah ouais, ça va. Hein. J'en ai eu 3 qui sont abonnés hier soir. Pourquoi est-ce que vous devriez rester ici et me laisser faire ? Ouais, sur plus, je dois regagner les abos. Non, c'est pour ça que je pense devoir y aller seul. Sur YouTube, c'est un peu plus facile parce qu'il y a plus d'enfants, mais sur Twitch, c'est plus des adultes. Des adultes, ça. Du premier coup. Non. Ah, bah tiens, c'est là où je devais aller. Je pense qu'il faut que je descende. J'attire leur attention, je m'arrange pour ferrer un petit groupe et je cours comme un dératé. Il faut que je trouve un moyen de. Les ralentir peut-être en posant quelques pièges. Pas, mais je sais même pas où il est. Et puis je les fais tous sauter. Écoutez, si on se pointe tous les deux là-bas, ça va être un putain de chaos. On va seulement se mettre en danger l'un l'autre. Non, vous restez ici et vous couvrez mes arrières. Attends, mon con. Si ça dégénère, vous venez me tirer de là à moto. Sauf si vous avez une meilleure idée. Non, j'en ai pas. Tu me demandes comment ils mettent leurs armes derrière leur dos parce qu'ils ont aucune corne ni rien. Des munitions. Rien pour les attacher. Ouais, ah, nickel. Ben, le perso me fait penser à toi. Je sais pas pourquoi. Le black ? Le perso principal. Non, le perso principal qu'on a. Il est avec les cheveux longs. Ouais. Non, mais Dylan. Deacon ? Ouais, Deacon. Il me fait penser à Ben. Je sais pas pourquoi. Non, j'ai même pas. Tu le connais mieux que moi, donc je peux pas te dire. C'est quoi ça? Attends, j'ai même pas de barbe, j'ai que de la moustache, monsieur. Bon. Dites-moi votre plan. Comme je disais, en fait, c'est un peu une Red Dead quand tu cours. Foiré aime bien s'agglutiner. Ouais, à peu près. Les uns sur les autres. En mieux. Si je trouve un espace, bah, franchement, je sais pas, donc on peut pas comparer, mais c'est pas du tout les mêmes types. Quand je les aurais distancés un peu, vous les ferez tous sauter. Bingo.
On répète l'opération deux ou trois fois, et on peut dire adieu à la Horde. C'est votre plan? C'est mon plan. Bonne chance, Saint-John. Je veux dire, quand je suis arrivé sur le nouveau pan de carte, là, je sais pas... Ben, c'est ça, hein? Ouais. Là, tu vois la carte, là? Voilà, là, un temps de décalage, mais ouais... Ouais. Et bah, ça, c'était tout blanc. Je pensais que, genre, on allait retrouver Sarah ici. Donc on la retrouve, sauf que pas du tout, ça se termine pas là. Putain. Ah ouais. J'ai eu au moins, ça fait quoi, peut-être 4 jours que j'ai découvert cette, cette map. Non. Ça fait plus de temps que je suis sur le jeu, quoi. J'arrive. Je lui dis, allez, il la retrouve, un petit problème, on le règle et on se barre. Mais pas du tout. Elle veut régler le problème des mutants, genre dans le sens les sauver, quoi. Trouver un antidote. Donc, ce qui fait qu'on reste, on fait des missions secondaires, tout ça, quoi. Ouais, le jeu, ouais. Si t'aimes bien les jeux comme ça, Ben, il est fait pour toi. Moi, j'adore les mondes ouverts. Depuis qu'ils ont créé ça, franchement, tu passes beaucoup de temps dessus, mais bon. Oh, pute, je suis creux. Oh merde, oui, je suis mort. Oui, alors, par contre, excuse-moi, évite les insultes comme ça. Ouais, je sais, mais ouais, mais je suis mort. j'accepte les cons, mais. Mais les gros mots ouais, comme ça, c'est sur un live en plus que Twitch ça rigole pas là-dessus. Ouais. Ça peut ouais, me. Ouais. Ça peut, comment dire, me strike ma chaîne pendant quelques jours. Et surtout This Gun. Encore après, je peux faire les enchaînements seul, tout ça, mais bon, j'aime bien faire sur ouais. Twitch. Sur un live sans gros mots qu'avec des gros mots. Bah oui. Pour l'instant, j'ai pas de modo ni rien. Je gère bien tout seul. Moi, ça va pour l'instant. Sur YouTube, moi, il s'en fout. Genre, bah, sur YouTube, des... non. Ça va. Oh, YouTube. Putain. Une fois, bah, je sais pas si. Benzaï, vous connaissez Benzaï. Benzaï, c'est un youtubeur. Il a une chaîne Twitch aussi. Non, je connais pas. Connais pas? Dégage de ce live. Au revoir. Ah non, non. Benzaï, c'est quand même. Il a. En fait. Il y a. C'est pas nos chers players. C'est comment ça. Je sais plus. C'était une chaîne Twitch en fait. Enfin, elle est toujours là. C'était un événement en fait. Pour un hôpital. Alors, je sais plus où, dans quel pays. Où les enfants meurent assez vite, on va dire. De maladies, tout ça. Et. Ils prenaient de l'argent grâce à ces lives pendant 72 heures. Ouais, c'est un live en continu, quoi. C'était un live en continu, quoi. Et en fait, Benzaï, à un moment donné, c'était son tour. Il devait faire un live. Dès qu'il est arrivé, il a pas fait gaffe, en fait. Il a mis des photos de cul dessus. Et la chaîne en fait Twitch des gens qui ont fait ce live a été strike par Twitch. Ce qui fait que bah Benzaï en fait a prêté sa chaîne aux gens pour continuer le live. Mais ah ouais. Ils ont fait les gars, mais oh, qu'est-ce que tu fous? Fais pas ça sur Twitch. Et bah ouais. Pendant 7 jours et ils pouvaient pas attendre 7 jours quoi. Donc ah ouais, Benzaï a prêté sa chaîne, tout ça quoi. Alors ils sont où? Je sais pas si Ben tu les entends. T'entends les un peu de loin. Ah ouais. Ils doivent être juste en bas là. Voilà, je vois, il y en a un là. Ils sont juste ici. Attends. Et si tu t'accroupis, ils t'entendent pas. Non, ça va. Mais de loin ils peuvent me voir. Il y en a un qui me voit, ah ouais. Tout le reste suit. Ah ouais, là. C'est des hordes ça. Ouais, là j'ai une horde là. Ah non, je voulais. D'accord, bah dommage. J'aurais dû les attirer avec la voiture. Parce qu'en fait, quand il y a un point rouge qui t'allume, c'est-à-dire qu'il y a, la... il y a encore la. De l'électricité, il y a de la batterie dedans. Donc ça les aurait attirés. Ah ouais. Ok. Donc là c'est foutu pour passer ici. C'est bien. En plus, il est assez long, c'est cool. Ah, moi, je suis très loin là. Ben, est-ce que tu vas avoir le seum? Est-ce que tu veux que je te mette le seum? Vas-y. J'ai débloqué la Peacekeeper. Ok. Je sais pas si tu la joues, si t'aimes bien, mais. Non, je la joue pas. Ok, bah.
dommage. Alors par contre, ah non, ouais, d'accord. Et tu sais que la démon là, elle m'a demandé si nous devons l'acheter. Ah ouais? Tu parles de Deacon? Ouais. Genre, moi je. Non, c'est sur Boa 4, c'est une petite arme. Et genre, ceux qui l'ont, eh ben ils vont l'enlever et ils devront l'acheter pour la revoir. De quoi, le cran d'arrêt? Non, l'arme démon. Oh ouais, c'est chaud. Non, c'est de l'arme, quoi. Parce que moi je jouais et je pourrais même plus le jouer demain. Je fais comment maintenant? Ah oui, je peux sortir par là. Ah ouais, les zombies ils font des jolis bruits en plus. Alors attends. Comment je me casse? Il pourrait rentrer, mais bon. Bon bah, c'est pas grave, si je meurs, je recommencerai, de toute façon. Est-ce que tu dois ton stuff si tu meurs? Quoi? Est-ce que ça les attire? Ils viennent pas tous, il y a que quelques-uns qui viennent. Ah si. Commence à arriver. Par contre. T'entends? Ça crie de partout là. Oui. Plus avec la voiture qui sonne. Attends, là je vais en retirer le silencieux, ça sert à rien. Une invasion zombie. Oh putain, ils s'entendent vachement là. T'entends. C'est énorme. Alors faut que je regarde le temps, parce que comme sur la PS4, comme j'ai dit à Epsilon, ça se limite à 60 minutes. Faut bien que je regarde le temps. Mais quoi, c'est limite à 60? Hein? De quoi ce bah en fait tu peux enregistrer en fait sur ta PS4 t'as de 15 minutes à 60 minutes et par exemple 60 minutes si tu fais 1 heure et 15 minutes bah les 15 premières minutes de la vidéo sont effacées. Donc faut faire super gaffe quoi. Bonjour, comment allez-vous? Par contre je peux pas grimper là-haut. Bon bah. Ah mais c'était même pas là que je devais les attirer. Bon. Attends, je vais mettre un silencieux pour pas attirer la horde par là. Si en fait ils arrivent. Coucou les... Attends. Est-ce que je peux les incendier par là? Je suis là, venez. Coucou. Oh non, bah trop tard. Ils vont vite en plus. Non, le truc c'est que c'est... ils vont vite, mais on va dire ils sont gérables. Mais le truc c'est que comme c'est une horde, t'en as qui vont arriver par derrière, mais ils vont pas tous suivre les autres dans le centre. Ils vont pas faire un tour. Ils vont juste t'agglutiner quoi. Ils vont t'entourer. C'est pas genre t'es au milieu du stade, ils vont pas faire le tour du stade pour t'avoir par derrière quoi. Ils vont vraiment venir de tous les côtés. Ah ouais. En gros, des kamikazes. Ouais, c'est clair, c'est ça. c'est ça. Bon. Alors, je vais prendre le caillou. Un caillou. Je te jure, c'est super drôle, hein. Ah, voilà. Nouvelle arme. Bombe télécommandée. J'aurais dû garder de la ferraille, mais c'est trop tard. Et la hache que tu as dans le dos, est-ce que tu peux l'acheter sur les zombies? Je peux pas l'acheter. En fait, c'est une arme secondaire. Enfin, une arme secondaire. Une arme de soutien. Tu peux, tu l'utilises, mais en fait, faut la réparer. Par exemple, si tu regardes bien. Ah oui, la batte. Ah, tu la vois pas. Attends. Là, tu vois bien en bas à gauche, t'as le dessin de l'arme. Et à gauche, juste à gauche, t'as le pourcentage de l'endurance. Ouais. Donc, faire super gaffe. Ça latte bien, quoi. Je veux dire, en deux coups, je les tue, quoi. C'est quoi ça? Molotov au palme, cool.
Oh, au Napal. J'ai le Napal, mais ouais. Ok, au Napalm. Oh, yes. Donc là, j'ai le Molotov normal. Et maintenant, j'ai une nouvelle arme, j'ai le Palm. Qui est plus, beaucoup plus puissant que l'arme. C'est des bidons. Le Molotov normal. Non, non, là, c'est pas un bidon. C'est. C'est quoi? C'est. Comment dire? Comme un jerrycan. Pas un jerrycan, mais tu vois le truc vin, des fois, dans les restaurants ou je sais pas quoi, qui peuvent servir. Vraiment, tu sais, c'est pas une bouteille, mais je sais pas comment on appelle ça. Une Molotov. Ok, c'est bon. Et ce jeu est identique à The Last of Us. Alors oui, esthétiquement. Ah, de la bière. Esthétiquement, il ressemble à The Last of Us. Par contre, c'est totalement différent au niveau pas dire pas histoire, mais non, graphisme, c'est quasiment pareil. Enfin, c'est. Mais quand est-ce que c'est pareil. Non, t'as pas le droit de te retenir, toi. C'est interdit. La commission des hordes a refusé. Bon, attends, on va réparer ça. On sait jamais. Donc attends, je suis dans la zone. Oh, il faut que je réunisse. Ils sont là-bas. Regarde bien Ben. Tu veux leur dire coucou? Tu veux pas leur dire coucou? Mais je vois pas encore. Ouais, Watch Dog Légion. Franchement. Hâte aussi de qu'il sorte parce que franchement il a l'air vraiment stylé quoi. Un troupeau de vaches. Il a l'air stylé Watch Dogs Legion. Hein. Franchement quand je l'ai vu à l'E3, de pouvoir switcher entre les personnages, ça a l'air vraiment cool quoi. Ouais c'est sympa, moi j'ai joué au 1 et au 2. Et là tu tires une balle, il vient toujours toi. Ah bon mais il y en a un qui t'a vu tout ça. Même juste vu, juste vu. Juste ça, ça suffit largement à tous les attirer quoi. En fait, ils sont un peu genre collectif dès qu'ils t'ont vu quoi. Et la journée, ils dorment la nuit. La journée, ouais. Enfin, ils dorment pas réellement en fait. Dans le sens où ils rentrent dans une grotte, ils hibernent. Et mais si tu viens les déranger, ils sortent quoi. J'avais envoyé une photo à Obsidian pour lui montrer l'intérieur d'une grotte avec la horde, j'avais lancé un molotov, j'ai mis pause, mode photo et ça rend super bien quoi. Ça rend super bien. Ça fait genre BD, on aurait dit que c'était dessiné quoi. Bon, j'espère que je vais avoir le plan de la batte là. Parce qu'il y avait une batte avec la scie. Ils sont là-bas, ok. Est-ce qu'ils vont me voir si je passe par là? Non, c'est bon. Alors, je veux bien, mais. Je veux bien, mais je dois faire quoi? Je dois les attirer. Grenade fumigène. Ah non, attends, je dois peut-être les bombarder directement alors. Donc je pense que je vais en. Quoi? Là, je suis derrière la grille, enfin derrière le bois, il me voit déjà. N'importe quoi, il va pas à travers les murs, y'a que moi qui peut voir à travers les murs. Ah putain! En plus, la musique n'arrange pas quoi. Vous avez les crocs ? Je suis là ! Regarde ça ! Putain. Ça a l'air ensemble là. Bon là apparemment la horde est bien plus rapide parce que là je pense que c'est lié à la mission principale. Donc forcément il faut qu'ils me suivent quoi. Je t'envoie la photo Ben du truc là où il fout feu dans le. D'accord faut que je. Ah putain, c'est l'endurance par contre. Bon, apparemment, comme ça, ça va. Ah, je peux même pas passer au-dessus, quoi. T'inquiète, non, monte, monte. Putain, il veut pas.
Oh là, je te jure. Faut que je mette de... Regarde, ils se font en cire. Ils tombent. Mais regarde ça, putain. Ah putain. Non mais non. Putain. Ça passe à la boue. Ah si, ça passe à la boue. Ah mais si, il peut aller partout quasiment. Les loups, tout ça, encore, ça va. Ah, des loups, ils sautent pas dessus quoi. Ouais, y'a des loups et des ours. Des loups hein. T'as les loups normaux. Les loups et ours normaux. Et t'as les loups et les ours infectés. Ils sont deux fois plus gros que les loups et ours normaux. Ah ouais. Mais ça va, avec les armes que j'ai, là, je te les latte en deux secondes. Donc ça va. T'as les meilleures armes, les meilleures armes. Ah, je peux pas là. Non, 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 merci. T'as quoi comme... T'as des bonnes armes quand même. J'adore. C'est plus bon. Il y en a un qui est bloqué dedans là. C'est super réaliste parce que t'es obligé de faire le point chaque fois. Non, 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 je suis bloqué. Putain. Ah les enfoirés. Saint John, une meute fonce sur vous. Non, tu crois que j'ai pas vu? Ouais, je suis au courant. L'autre il me dit ouais, il y a une meute sur nous. Je crois que j'ai vu, non? Bon, maintenant on va aller où? Oh putain, je te jure. Petit numéro, je vais les faire plus tard parce que je peux pas. Je reviens, j'ai pissé. Ok. Et un du pipi. Content de le savoir. Désolé. Oh putain, je te jure. Pas la première fois que j'ai une horde à mon cul, mais franchement, là. C'est la plus grande horde que t'as eu? C'est pas la plus grosse. Il y en a en limite, je dirais peut-être 2 à 3 fois plus grosse que celle-là. Waouh, mais comment tu fais pour faire tout ça après? Tu peux les tous les tuer, mais en fait, faut que les armes que tu aies soient assez puissantes et que, par exemple, là, le napalm, ça, je pense que ça peut les tuer. Faut qu'ils soient assez regroupés pour pouvoir les avoir, enfin, en tout cas, en avoir le plus grand nombre. Donc, voilà. Faut vraiment avoir... les armes qu'il faut pour les tuer quoi. Ouais. Et par exemple, il y a un endroit qui s'appelle la Syrie. Et en fait, dedans, je sais pas si c'est la plus grosse horde, mais en tout cas, elle est énorme. Et dedans, en fait, t'as divers trucs que tu peux pour ralentir la horde. T'as des planches que tu peux faire tomber, t'as des rondons de bois, t'as je sais pas, t'as plein de trucs à faire. Ah ouais. Est-ce qu'ils sont dispersés? Ils peuvent monter comme dans World War Z. Oh non, il m'a fait tomber le truc. Oh putain.
Je savais pas que le choc pourrait me faire tomber. La horde est juste au-dessus de vous. Non, pas tout à fait. J'ai oublié un coup de pied. J'en avais éliminé la moitié. Continue comme ça. Ah ouais, la moitié, j'ai même pas fait gaffe. Ça marche. Le Molotov de Weaver marche. Je prends les fleurs ici. Sauf que j'ai pas encore utilisé. J'aime bien, il dit ouais, le Molotov marche. J'ai rien mis encore. Alors attends. L'erreur que j'ai failli faire. Aller chasser Tenny pendant qu'il fait noir. C'est dur, comment ça se fait qu'il dorme toujours pas? De quoi? Là il fait jour, mais comment ça se fait qu'il dorme pas? Bah, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, il ne dorme pas. Ils hibernent, c'est un peu comme les ours. Ouais. Les ours, ouais, en fait, ils dorment pas réellement. Ils se reposent dans un sens où en fait leur corps. Pas comme la. J'ai plus comment ça se disait déjà. Il y avait un truc, j'avais vu une série où ils en parlaient. Mais en fait, tant qu'ils ont un quelque chose à becter, à poursuivre, bah, ils le poursuivent quoi. Oh ouais, ouais. Allez, 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 allez. Et comment tu veux que je fasse un peu de joie? Je les vois d'ici. Ok, bon, on va tester, hein. Tester ça. Allez, viens là, toi. Oh putain. Non. Ouais, bah j'en ai 5-6, c'est pas suffisant. Bon, je trouve des munitions par contre. Ah, j'ai plus de munitions pour ça, moi. Ça va être un peu compliqué. Ah, attention. Un peu compliqué là. Je peux pas y retourner là, c'est chiant. Je peux pas rentrer dedans. Non, putain. Bon, c'est au ralenti, t'as l'impression que c'est des chiens qui aboient. Oh putain, ça m'a poussé. Ah! Faut que je trouve des bonbonnes, des trucs comme ça là. Pas ça. Je vais marcher un petit peu pour gagner un peu de l'endurance. Faut que je prenne de la distance et attendre qu'ils arrivent. Si ça va, en marchant, ça va, ils rattrapent pas trop. Allez, en petite foulée. Voilà, c'est bien. Alors par contre, n'insultez pas les autres, ça sert à rien. Mais, ah putain, il y avait un trou là. J'aurais pu y aller. Je suis là.
Non, putain, c'est trop nombreux. Vas-y, est presque, caporal. Encore un quart. Faut les cramer, Deacon. Je sais qu'il faut les cramer. Mais faut que je sois en hauteur pour bien les voir. Il y a des bugs en plus, t'as des freakers qui sont à l'intérieur et qui, comment dire, n'arrivent pas à sortir par une fenêtre. Faudra que je monte sur un camion là. Ouais, il n'y en avait que deux dans un nid. Dans quoi ? J'ai fait un nid, il n'y en avait que deux. Dedans. Ça dépend après, mais en général c'est trois, mais pas. Ah putain, ils arrivent. Est-ce que je peux me grimper sur le bus? Oui, c'est bon. Prenez ça, putain de bus! Ghost Rider, c'est qui a quitté la partie? C'est Ben. Je sais pas pourquoi. La connexion, peut-être? Je pense, je sais pas trop. Il a peut-être rejoint d'autres potes, je sais pas. Allez, je vous attends! Venez, bande de fils de pute! Et un de moi! C'est ça, amenez-vous! Quand tu nous fais des nids là. Alors quoi? Des nids, pas ça? De la viande fraîche! Alors ça te plaît? C'est un peu l'idée. C'est ça, hein. Non, je vais pas mourir maintenant quand même. Mais c'est dans la moto, alors ça va être un peu compliqué. Vous pouvez pas, c'est par là que ça se passe. On va leur foutre le feu. On a déjà détruit. De la viande fraîche. Ils m'ont perdu. Ils sont beaucoup moins, donc ils arrivent plus à trop à me poursuivre. Je suis là, venez. Oh putain. Je le crois pas. Vous avez réussi. Vous avez exterminé une horde tout entière. Ouais. Oh putain. J'ai réussi. J'ai éliminé une horde. Pas comme il me l'avait dit, mais bon. Sarah, t'es là. J'ai quand même réussi. Lieutenant Whittaker, ici le caporal Saint John. Au rapport, à vous. Mais où est-ce que t'es? Capitaine. Je viens d'essayer de joindre le lieutenant Whittaker. Elle répond pas. Vous étiez pressé de lui apprendre la nouvelle? Ouais, elle sera ravie. Sans doute. Vous la verrez bien assez tôt. N'appelez pas le lieutenant Weaver. Je voudrais lui annoncer personnellement. Ok. Vous l'avez mérité. Bien reçu. Terminé. Ok. Ouh. Maintenant, fouillage. Plein de choses à récupérer ici.
On peut souffler, hein, c'est dire. Et toi, t'en es où là? Crazy Willy, je vais essayer de chercher, tu sais, le coffre-fort. Tac, tac, tac. Ah, attention. On va faire d'abord le fond là-bas. Quelques-uns qui sont revenus ici. Raté. Ah, raté. Ah, putain. Voilà. Ah oui, la nuit, c'est vrai, j'ai fait plusieurs fois. Je peux te dire que... C'est très stressant. Plus la horde, en plus les freakers aux alentours qui rejoignent la horde si t'as le malheur de les... De pas les tuer, je veux dire, avant. Ceux qui sont aux alentours. C'est hallucinant, quand même. Bon bah moi je vais m'arrêter là, alors pour YouTube en tout cas. Donc likez la vidéo avec un gros pouce bleu, partagez avec vos amis, laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve donc dans un prochain épisode. Ciao, ciao. Because I know I'll kill my enemies when they come.